Bonjour, c'est Mogi. Bonjour, c'est l'aspirateur. Bonjour, c'est Ekti. Salut, c'est Yugan. Alors, pour cette vidéo, nous allons parler de Suikoden Tier Crest. Donc je sais, d'après vous, là, 2-3 personnes qui vont se dire « Oh, jamais pu prononcer ce titre ». Eh bah oui, ne vous inquiétez pas, car beaucoup de membres ici ne savent pas le dire. Donc moi, tout simplement, je dis Suikoden Tetris. Tout le monde sait de ce de quoi je parle. Donc là, on va parler donc du Suikoden Tier Crest qui sort sur Nintendo DS. Donc qui est sorti là, dernièrement, le 18 décembre exactement. Sur DS, donc un épisode... Donc attention, c'est un épisode assez historique, parce que c'est le premier épisode qui sort déjà sur une console portable, et pas sur une console PlayStation. Et oui, parce que tous les épisodes étaient sortis, donc les deux premiers sur PlayStation 1, le 3, 4, 5 et le Tactics sur PlayStation 2, et là, ce nouveau Suikoden, donc c'est un épisode un peu à part, mais cet épisode sort sur Nintendo DS, donc c'est double événement. Donc voilà, donc hein, bande de salauds, ils ont trahi Sony. Donc là, je vois quelques petits kikoulols qui vont faire ah, ils ont trahi Sony, parce que moi j'ai des actions chez Sony et je suis fidèle à Sony aveuglément. Donc, pour les PS, Genzo, Suikonenu, Checklist. Voilà, ça c'est pour les hardcore fans. Donc, les KFK. Tout simplement les KFK. Ou les G.I. Joe pour les Américains, voilà, c'est fait. Ah non, c'est Genzo, Suikonenu. Genzo, Suikonenu, Kato, Ato, Anumura. T'en fous, japonais, t'es français toi. Ouais, donc pour en revenir, parce que les fans de la série, dont moi, parce que Suikoden, je le rappelle, la meilleure série de RPG qui existe. Ça, parce que. Avec Gran Turismo quand même. N'importe quoi. Et Puna. Non, c'est vraiment la plus grande série de RPG. Et pourtant, elle est très peu connue en France. Malgré qu'on ait sorti le 1, le 2, le. Bon, ils ont tous sauté, à part le 3. Ouais, ils sont tous sortis sauf le 3. Sauf le 3 en France. Pourtant, mais à petit exemplaire, c'est vachement. C'est très très dommage pour nous. Pour ceux qui n'ont pas joué, ils loupent quelque chose. Ouais, mais. Bah, nous, bah, moi, enfin Yugad et moi, en tout cas, j'ai fait que le 5ème et c'est vraiment un jeu excellent. Oui, mais enfin, et on en a fait plusieurs quand même. Et donc, c'est vraiment excellent. Donc, bah, le 5, ouais, qui s'était vendu à que 5000 exemplaires, je crois. Et après, je crois qu'ils en ont rajouté quelques exemplaires. Mais puis, il coûtait pas cher, il coûtait à 30 euros. Et puis, bah, ça n'a pas marché parce que, bah, il n'y avait pas eu de grande campagne de pub. Et c'était excellent. Bon, le 4 qui était moins bon. Bon. Donc, quoi, meilleure série. Et donc, les fans attendaient un épisode 6. Ils pensaient que c'était l'épisode DS. Et non, ce n'est pas un Suikoden 6, c'est un spin-off. Donc voilà, donc épisode DS, donc bon bah c'est sur Nintendo, ils surfent sur la vague, bon ça on connaît l'histoire. Alors Suikoden Tier Crest, donc qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça, alors ça reprend toujours les éléments de Suikoden, bien que l'identité de Suikoden était bafouée parce qu'ils ont modifié beaucoup d'éléments spécifiques à la série. Alors pour en citer quelques, déjà on n'a plus le droit on n'utilise que 4 personnages sur le terrain au lieu de 6. Le système de runes est très très simplifié. Avant on avait plusieurs types de runes, donc runes de feu, runes de foudre, des runes inertes, des runes en combat. Et là on a une rune unique qui s'applique à tous les personnages et qui diffère en pouvoir selon les personnes. Moi je trouve ça absurde, ça casse le charme. On cherchait à choper une rune, tu sais qu'un pèlerin t'offrait si tu faisais la quête annexe. Enfin c'était génial, là t'as plus ça quoi. Tu fais merde, tu fais chier. Donc ils ont retiré cet élément là en gros. Ouais mais ils ont retiré pas le truc et quand j'ai vu ça j'ai dit c'est de la merde. Non c'est de la merde, c'est pas possible, ils ont tout gâché. Non, non. Et au final quand même ce jeu s'avère excellent quoi. Alors Fiu. Putain je suis... Ouais c'est fou là. Ils ont commencé à devoir partir en train de casser le truc et fou. Ils ont eu un petit soulagement là. Un petit soulagement mais... Alors après ça dépendra des goûts mais personnellement j'ai quand même été surpris. Par rapport à ma première impression, là j'ai changé d'avis, je suis assez content du résultat pour ce que j'en ai fait pour l'instant parce que j'ai pas vu que c'est en japonais, j'ai pas pu tout, je peux plus continuer jusqu'au bout hein, parce que ma barrière de la langue est quand même assez importante pour moi, c'est un RPG à beaucoup de dialogues. Alors pour en revenir donc le scénario qui au départ s'avère assez bancal, surtout avec la gueule des personnages qui était pas qui cassait un peu de ce que proposaient avant les anciens Suikoden qui était beaucoup plus sérieux, là ça faisait beaucoup plus gamin. Et au final, ces personnages sont pas si gamins que ça, et ils ont une personnalité assez sympathique, voire ils commencent à prendre au sérieux l'aventure dans laquelle ils débarquent. Alors cette aventure, pour résumer, ce sont donc, comme vous voyez, le héros principal avec donc ses amis qui font partie des gardiens de Citros,
Donc ils viennent buter du monstre quand le village peut être en danger. Et donc au cours d'une de leur expédition, ils vont découvrir un livre. Ce livre va receler les mémoires de la défaite des 108 étoiles. Car oui, comme vous avez pu voir la cinématique d'intro qui est des cinématiques animées, donc cinématiques animées qui sont très bien réussies avec des doublages de très bonne qualité. Personnellement, je trouve qu'elles sont très bonne qualité. Il y en a, elles sont nombreuses et variées. Le camarade. Ah, vous arrêtez pas que vous êtes chez les ch'tis, mec. Attends, il y a absolument tout à sauce, bienvenue chez les ch'tis. Ouais, donc plutôt que ça soit Sukoden. On va faire Sukoden chez les ch'tis. On récupère 108 ch'tis. Le jeu pète couille et tout, parce qu'il est doublé et tout, donc ça casse les couilles. Et puis tu vas dans le nord, tu récupères les 108 ch'tis. Et donc, ouais, ils découvrent. Donc, oui, les 108 étoiles ont été battus. Chose exceptionnelle, ça n'arrive jamais. Alors, en fait, donc dans ce livre, Russell et Norine. Et en fait, visiblement, d'après ce qui est dit par donc, le producteur de la série, donc, de l'épisode qui a aussi produit Suikoden 5, donc, qui est Masayuki Saluta. Donc, voilà, lui, il a mis en place, on dirait, un univers où, parallèle à l'univers de Suikoden qu'on connaît dans les épisodes antérieurs. Ouais, parce que normalement les vrais Suikoden, enfin du moins du 1 jusqu'au 5, se déroulaient dans le même monde, mais en fait on voyait genre un royaume différent, etc. Et il y avait certains personnages qui avaient en commun à chaque épisode. Bah, disons que voilà, t'avais la trilogie de base avec le 1, 2, 3 qui était quand même qui situait en même continent mais pas au même endroit. Après t'as le 4 et le 5 qui s'écartent. Alors le 5 qui est avant les 3 premiers, qui parlait de George Prime. Donc, qui était un héros qu'on recrutait dans le 1 et le 2, assez balèze d'ailleurs. Et donc, ils ont parti sur ce délire, sur une phrase de lui qui parle du Run de Falena, ils sont partis sur le délire Suikoden 5, qui est très réussi. Et le 4, bon, qui est très en dessous du reste. Alors, ça, je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrais pas vous raconter. Et donc, là, c'est un monde parallèle donc, au monde de Suikoden. Et donc, apparemment, l'effet de 108 étoiles se déroulerait dans ce monde. Parallèle. Non, dans ce monde, dans le monde de Suikoden, ah ouais, okay. Et cette histoire se situe dans un monde parallèle. Enfin, c'est un délire vraiment de monde parallèle, comme dans Sliders. Donc voilà, c'est vraiment ce délire-là, et c'est sur quoi l'auteur, le producteur voulait en venir. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview là-dessus, il aimerait qu'à partir de cette série, qui apparemment va avoir très peu, voire pas du tout, ça je sais pas, j'ai pas pu faire assez, mais peut-être pas du tout des personnages des épisodes antérieurs, ce qui serait très dommage, parce que l'un des charmes de la série, c'est vraiment qu'on voyait... On verra pas genre George Prime ou Vicky et Vicky, tout ça, quoi. Vicky qui était tout le temps là, ainsi que Jane. Ouais, donc en fait, il y aura, on retrouvera pas les mêmes. Et Jeanne, ouais, aussi, donc on retrouvera pas ces personnages-là qui arrivent d'un épisode à l'autre, etc. Alors, j'ai pas fait, mais si ça se trouve, ils sont, mais j'en doute de ce qui est dit par Sairuta. Et donc, il aimerait qu'à part cet épisode, il fasse, on va dire, une nouvelle trilogie, duologie, enfin, je ne sais pas. Mais à partir de cet univers-là. Alors là, les fans qui vont entendre ça, même moi, je suis assez inquiet de voir ça. Parce que nous, on a tous en tête les trois épisodes qui ont été anthologiques, qui sont exceptionnels, qui ont d'une cohérence chronologique impressionnante. Vraiment, là, ça me fait un peu peur. Et je pense que pour ceux qui écoutent, ça doit faire peur. Moi, ce qui fait... Bah, par contre, ce qui peut être pas mal, c'est que... Bon, je sais que Suikoden, ça marche pas trop mal genre au Japon, mais je sais que, bon, par exemple, le 5e a pas connu un succès de malade outre-Atlantique, etc. Enfin, aux États-Unis, ça n'a pas eu grand succès, et en France non plus. Mais peut-être que ça peut, cet épisode-là, ou les autres épisodes DS, peut permettre de renflouer les caisses de Konami, qui peut-être permettra de pouvoir faire un Suikoden potentiel, ou un hypothétique Suikoden 6 sur 360 ou PS3, et j'espère pas sur Wii. Non, parce que. Parce qu'en fait, voilà, tu le disais très bien, c'est dans cette optique-là qu'il veut faire une nouvelle trilogie pour que ceux qui connaissent pas découvrent la série sans avoir le souci de faire les épisodes d'avant. C'est vraiment cette idée-là qui veut se pointer pour faire connaître Suikoden aux gens. À voir, moi je dis à voir. En plus, de toute manière, hormis le 3, on sait pas trop ce qui s'est passé, tous les épisodes de Suikoden sont sortis chez nous. À part, je crois, il y a des Suikoden Chronicles, où j'ai oublié le nom... Suikoden. Ouais, voilà, les Suikoden Gaiden, je sais même, c'est sur quelle console d'ailleurs, je sais même pas. C'est sur PS1 aussi. Tous les épisodes, donc hormis le 3, sont sortis chez nous. Donc moi, honnêtement, je pense que celui-là sortira aussi, puisque c'est un format DS, la DS ça marche bien en France, sur DS il y a énormément de RPG, donc c'est très probable.
L'étude, c'est pas le fait qu'il sorte, puisqu'il va sortir. Il sort le 17 mars aux États-Unis et va sortir, alors ils n'ont pas précisé la date, en mars en France. C'est sûr, il y a une soirée simultanée avec les États-Unis. Donc, à sortir en France, forcément. Ils ont toujours sorti en France à part le 3, donc ils n'ont pas dérogé à l'arrêt. Et je pense, dans cette optique de faire connaître la série, voilà, on est là-dessus. Alors, pour en venir un peu, parce que là, j'ai fait quand même une belle parenthèse, mais c'est pour montrer un peu mes inquiétudes en tant que fan de la série. Voilà, donc pour revenir au jeu, le jeu bénéficie de décors somptueux. Fait, c'est dessiné, hein, c'est magnifique, ouais, c'est très beau. Quoi. Bah, dès les premières images, on se disait, waouh, elles sont beaux, ils sont vachement bien réussis. Les tu sais, parce que ça reste chaleureux, il y a une petite dominante de bleu et tout, c'est bien joli. En revanche, on peut pas en dire autant de la modélisation 3D, et notamment lors des combats des personnages. Bah, alors, ça, c'est comme je disais, quoi, c'est fou. Ils ont cette manie de vouloir absolument faire des personnages en SD trop moches sur DS. Quoi. Et voilà, bien fait, t'as bien anticipé. C'est là où je voulais en venir, c'est que les personnages SD 3D, c'est pourri. Je vois pas, on l'a répété sur d'autres vidéos. Je comprends pas pourquoi ils veulent faire des personnages 3D alors que les personnages 2D comme dans War Destruction rendent beaucoup mieux. Voir dans Tales of Art, c'est où ils sont très très beaux. Tales of Art, ils sont très beaux, qui rendent beaucoup mieux sur DS. Et si ça a été le cas dans cet épisode, je pense que ça a été le plus beau jeu de la DS pour l'instant. Ouais. C'est vraiment dommage, parce que quand tu vois les décors là et que tu vois ces personnages, bon, qui s'intègrent quand même dans le fond des paysagers, là je me dis, dommage, c'est vraiment bête. Et voir un beau jeu, surtout que les gens quand même se fixent au départ sur la qualité graphique du jeu, c'est vraiment bête. Ouais. Même si bon, c'est honorable. Est-ce que t'as toujours ce délire, genre... Tu sais, parce que t'avais les phases bon, de combat au tour par tour, mais est-ce que t'as genre les phases de duel ou les phases, tu sais, genre de wargame ou tout ça? Bah merci, j'ai oublié, c'est que alors, de ce que j'ai vu, j'ai pas encore ces deux phases-là, qui sont aussi la grosse identité de la série. Je ne sais pas s'ils y sont, j'espère qu'ils y seront, parce que ça donne vraiment du cachet au jeu. Et voilà, je ne sais pas pour l'instant, j'espère qu'ils y seront. On peut voir aussi des petits papillons, c'est mignon. Ouais, pour continuer, donc ça change parce que là, donc on est dans le château qu'on a dans chaque Suikoden. On a un système de missions. C'est maintenant, on avance plus au scénario avec un gars qui nous dit. C'est vraiment des missions qui sont données par des personnages qu'on recrutera plus tard. Donc des missions qu'on doit accomplir, soit annexes, soit qui font avancer le scénario. Ça, c'est tout nouveau. Ensuite, donc on a. Ça m'en vient plus. Les armes, oui, merci. Les armes, avant dans tous les Suikoden, chaque personnage avait une arme unique qu'on forgeait pour améliorer les capacités. Et maintenant, alors, gros truc qui est étonnant, c'est que on peut changer. Maintenant, on change les armes. C'est-à-dire, si tu en veux une plus puissante, on achète une plus puissante. Ça, encore une fois, pour tout fan de Suikoden, c'est honteux de voir ça. On a l'impression qu'il veut revenir sur des bases de RPG traditionnels, alors que ce qui a fait Suikoden est tout à fait unique, exceptionnel, génial, qui déchire. Enfin bon, voilà quoi, c'est quoi ces conneries, il faut arrêter de fumer quoi. Tu as aussi vite fait aussi parler des musiques qui sont composées par le même compositeur que Suikoden 5, ouais. Qui était joli. Ouais, qui était Miura, accompagné d'Iwata, donc qu'on connaît surtout pour. Qui est pas connu, mais qui a surtout fait musique à Kishimoto de FFT et Tactics Ogre. Donc exceptionnel, enfin moi j'adore, il y a des musiques que j'arrête de rester. Donc surtout Suikoden, attendez-le pour mars, je pense que c'est vraiment un jeu à surveiller et à acheter.